Comment ça va? Bonjour Marie-France. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Bienvenue ici dans ma scrap room. Bonsoir Stone. On est mercredi, il n'est pas 15h. Et non, il n'est pas 15h, il est 18h. Bonsoir Caroline. Et nous sommes passés sur les nouveaux horaires de mon live. Comment on dit? Bimensuel? Bimensuel peut-être. Coucou Isa. Oui, on dit peut-être un live bimensuel. Je ne sais pas. En tous les cas, on se retrouve deux fois par mois. Depuis déjà un bon petit moment, puisque nous en sommes au live 116. Donc moi, c'est Steph. Scrap with Steph sur les réseaux. Bonjour Martine, je suis ravie de vous retrouver. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je vais vous proposer de réaliser avec moi un projet que bien évidemment j'ai réalisé avec des produits Stampin' Up que vous retrouverez entre autres sur ma boutique en ligne et en plus à partir de d'aujourd'hui, j'allais dire à partir de demain, mais non, à partir d'aujourd'hui. Bonjour Valérie, bonjour Pascal. N'hésitez pas à mettre un petit message parce que je vois que vous êtes quand même assez nombreuses et du coup, je ne vois pas vos petits noms. Donc faites-moi un petit coucou et ça me fera bien plaisir. Alors, coucou, coucou, coucou Michel. Coucou juste du scrap et coucou à Valérie. Donc oui, je disais que les produits que j'utilise pour faire mes projets sont évidemment des produits Stampin' Up que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et du coup, depuis ce matin, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur les machines de découpe et aussi sur un certain nombre de lots de dies. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ma boutique ou à vous rapprocher de moi si vous avez des questions. Bonsoir Chantal. Avec plaisir Valérie en replay, bien évidemment. Petite question, je n'ai pas trouvé les indications pour cette réalisation. Alors, je les ai mis sur Insta. Je pensais bien les avoir mis dans l'événement, mais je suis capable d'avoir oublié. Tout est possible avec moi, vous savez. Je vais vous redonner toutes les mesures au fur et à mesure. Alors, du coup, je vous ai proposé ce projet qui est donc une petite tour à bijoux. Donc, j'ai oublié sur le descriptif de vous mettre que des paires d'aimants seraient les bienvenues. Donc, cette petite tour, elle s'ouvre de cette manière-là. Et du coup, les petites cases dans lesquelles vous pourrez ranger des bijoux, mais pas que, en fait. Vous pourrez ranger tout un tas de petites choses. Pourquoi pas le mettre sur votre bureau pour y ranger des trombones, pour y ranger des élastiques, des punaises, enfin, voilà ce qui vous passe par la tête. Donc, je vous expliquerai comment réaliser ce système de fermeture. Et regardez, une petite variante. Alors, j'avais fait ce modèle au départ et je me suis dit que j'allais simplifier encore les choses. J'avais fait il y a quelques années cette tour. C'est Isa du coup. Ah bah mince, mais je crois, enfin de toute façon, tout ce qui est publié sur Insta file sur Facebook automatiquement. Mais il me semblait pourtant, et je suis désolée si ce n'est pas le cas, l'avoir mis dans l'événement. Mais en tous les cas, vous retrouverez du coup le tuto sur mon blog. Très très vite, dès demain, ce soir il sera un peu tard et j'avoue que il faut que je m'habitue à ma nouvelle organisation et prendre le rythme de bosser toute la journée et ensuite faire le live avec vous. Ouais, je suis vraiment bien installée, c'est vrai, mes beaux Kallax derrière moi avec mes vitrines, mes projets préférés, c'est très très chouette.
Bonjour Françoise. Donc, regardez, en fait, sur les photos, on ne voit pas très très bien, mais si je vous montre comme ça, vous allez voir de suite que, hop, regardez, on a une petite tour qui est carrée et l'autre qui est rectangulaire. Alors, celle-ci est bien carrée, hein. C'est l'effet de perspective qui peut être un petit peu déroutant, mais c'est bien carré. Donc, je vous mettrai les deux tutos sur mon blog, mais nous allons réaliser la version carrée pour plus de simplicité. Ça marche, Nathalie, bien sûr, avec plaisir. Non, pas vu sur Facebook. Je suis désolée, les filles, du coup, si j'ai oublié de mettre les indications dans l'événement. C'est quand même ballot parce que c'est pour ça que je fais les petites affiches. L'affiche Canva, du coup, je vous la partagerai très très vite, bien évidemment. Donc, on va switcher de caméra. Je vous expliquerai du coup, j'ai fait ce système de fermeture que je trouve plus sympa en fait sur ce modèle-là. Donc, je vous expliquerai les deux, on choisira ensemble, mais le principe est exactement le même, si j'arrive à vous montrer avec nos petits tiroirs. Donc, on switch la caméra, on passe de l'autre côté avec mon bazar. Du coup, le tuto que je vous ai préparé, regardez ça, on va plutôt faire comme ça et je vais faire comme ça. Après, c'est rikiki, donc c'est pas facile de lire. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous redonner au fur et à mesure. Je garde ma tablette à côté de moi pour voir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me mettre des indications surtout. Donc là, j'ai travaillé avec la collection que vous avez déjà vu passer à plusieurs reprises chez moi, qui s'appelle Dentelle Champêtre. Je crois que je n'arriverai jamais à m'en souvenir. C'est cette collection, du coup, entre autres. Bonjour, bonjour. De Corse, du coup. Il me semble, si je ne confonds pas, il me semble qu'on a un coucou de Corse. Alors, oui, cette collection qui est entre autres une des collections qu'on a utilisées pour vous préparer un album de crop. Crop qui aura lieu au mois de juillet, le 14 juillet exactement, en présentiel. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être là, vous pouvez nous commander le kit. Les inscriptions sont ouvertes, vous êtes déjà très 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 nombreuses. C'est évidemment une crop que j'ai préparée une nouvelle fois avec Sophie. Donc cette collection fait partie des collections utilisées. L'autre collection, c'est Beauté sans bornes. Et donc, vous avez compris que moi, c'est une de mes collections préférées du catalogue, toute douce comme j'aime. Et cette fois-ci, j'ai décidé de travailler avec une collection. Ah, c'est adorable, mais je ne suis pas fan du tout. Et je vais vite les défaire pour retourner vers quelque chose de justement plus doux et qui me ressemble davantage. Mais en tous les cas, c'est mignon de mettre un message. Donc la collection ici, alors les dailles s'appellent Painted Lavender, le papier s'appelle Lavande Vivace. C'est un papier qui existait déjà sur le précédent catalogue et que l'on retrouve du coup sur notre nouveau catalogue. Faites attention, il est un petit peu caché vers la fin, mais vous pouvez le retrouver dans son intégralité. Au même tarif que l'année dernière, ça c'est trop cool. Donc, nous allons procéder en deux étapes. Il va déjà falloir qu'on réalise les trois tiroirs qui sont à l'intérieur de notre tour
Et ensuite, on fabriquera la structure. Alors, j'espère que Rosalie ne va pas faire de bêtises. Elle me ramène déjà un jouet. Elle a passé la journée du coup toute seule, puisque mon mari n'est pas là. Et du coup, j'enchaîne direct. Ça fait 10 minutes que je suis rentrée du boulot. Et du coup, je crois qu'elle va faire le clown, histoire que je remarque qu'elle est bien là. Et vous aussi, vous risquez de remarquer du coup qu'elle est bien là. Mais on va essayer de rester concentré. Et Madame Nanette, je m'occuperai de toi dès que ce live sera terminé, d'accord? Oh là, tu vas faire des bêtises si tu sautes à cet endroit-là. Je le sens, je le sens. Bon, on va commencer du coup par faire nos tiroirs. Et si vous êtes suffisamment attentif, vous allez voir qu'on a deux grands tiroirs, enfin deux tiroirs hauts et un tiroir un peu plus bas. Ok, donc du coup, on a besoin de deux carrés de 19,8 cm et d'un carré de 17,8 cm. Donc, moi, j'ai préparé ça et du coup, j'ai décidé pour aller avec notre collection de papier dont j'ai choisi un motif hyper, hyper sobre. J'ai décidé de choisir la couleur bien beige, qui est une couleur qui a été ajoutée en plus de nos 5 Incolor cette année. Et j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, c'est celle qu'on utilise ce soir. Donc j'ai Rosalie, pousse-toi doudou. J'ai du coup les trois rectangles qui sont ici et on va faire. Bon, là tu peux plus passer, tu vas faire des bêtises. Pousse-toi doudou. Mais non, bah tu vas pas te coucher en plein milieu. Ouais, je crois que ça va être compliqué, hein. Alors, on va faire sur les deux plus grands. Ma règle magique, je n'en ai pas besoin. Merci mademoiselle de me laisser un peu de place pour travailler. C'est trop gentil. Donc, les deux grands, on va faire des plis à 3,4. Ouais, petit câlin et elle en repart. Elle est bien là, effectivement. Donc, notre carré de 19,8 cm, on va faire un pli à 3,4 cm. Tout le monde te fait des bisous, du coup, t'es une chipie. C'est ça en fait, tu voulais un gros bisou de tout le monde, je pense. Ben oui, en même temps, une journée solo, enfin, 3 jours solo, du coup, on est déjà mercredi, la semaine passe très très vite. Du coup, elle n'a pas l'habitude d'être toute seule et elle est un peu fâchée. Il reste encore 2 jours. Donc, il va falloir faire avec Mademoiselle Rosalie. Alors, voilà notre quatrième pli à 3,4 cm. Et du coup, le deuxième pli, on va le faire à 6,9 cm. Donc, sur les quatre côtés, j'aurais pu faire 3,4 et 6,9 cm sur le premier côté, puis sur le deuxième, puis sur le troisième. Mais c'est plus simple et plus fluide, du coup, de faire comme ça. Donc, 6,9 cm. Voilà. Et on a du coup un deuxième carré de la même taille. Donc, on va faire la même chose une deuxième fois. Mais coucou! Depuis les plages du débarquement, bah écoute, il y a mon fils et mon mari là-bas avec des engins militaires. Ils sont partis samedi. Je suis sûre que tu les as croisés sans le savoir probablement. Mais en tous les cas, il paraît que c'est absolument magnifique. Et du coup, tu vas probablement pouvoir assister aux commémorations sur les plages du débarquement. Ils sont basés, eux, au musée d'Omaha Beach. Après, ils ont bougé pas mal, mais les véhicules sont là-bas. Et après, je ne sais pas trop comment ils bougent en journée, hein. Ils font tout un tas de périples.
Mais en tous les cas, ils font partie des groupes qui exposent les véhicules. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engins. Alors, Isa, tu t'absentes toute la journée, au retour, elle estime que tu... Bah oui, ça c'est normal. C'est normal. Bonsoir Isabelle. Alors, on va essayer de se concentrer un peu avant de faire trop de bêtises. 2 carrés, 2 du coup 19,8 cm. Ouais, c'est quelque chose d'énorme et cet événement est absolument énorme. Du coup, je raconte un peu ma life. Donc, mon mari et mon fils sont là-bas avec des véhicules militaires, c'est des grands passionnés. Et ma fille est là-bas parce que elle fait partie de l'équipe d'Orange Event qui a couvert l'événement et qui a installé toute la connectique pour que cet événement puisse avoir lieu. Il y a beaucoup, beaucoup de vétérans encore, malgré leur grand, grand âge. Je crois qu'il y a plus de 100 vétérans américains. Enfin, c'est un événement absolument incroyable. Donc, on va prendre maintenant notre carré de 17,8 cm. Et cette fois-ci, merci Béa. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 2,9 cm sur les quatre côtés. Donc 2,9 cm. Hop. Et ensuite, on va faire un pli à 5,9 cm. Donc ça va être la boîte qui va être un petit peu moins haute. 5,9, 5,9 et 5,9. Ouais, du coup, je suis solo. Du coup, je suis solo. Première semaine de mon nouveau boulot. Solo, ma mistinguette Rosalie, solo à la maison. Bon. Tout va bien. Vous êtes là ce soir avec moi. Donc, c'est magnifique. Ce soir, je ne suis pas solo grâce à vous. Alors, maintenant, on va prendre une paire de ciseaux et, ouais, solo avec Rosalie qui me scotche encore plus qu'elle ne pouvait le faire depuis son opération. Du coup, elle reste scotchée à moi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je défais un peu les traces de colle qui peuvent être sur ma paire de ciseaux grâce à cette petite chose que malheureusement nous ne venons plus chez Stampin' Up, mais que vous trouverez sur les réseaux, sur Internet, sur les boutiques spécialisées. Et ça, c'est vraiment top. Mais coucou Bichette! Donc, on va réaliser en fait trois boîtes à double rebord. D'accord? Donc pour ça, regardez, là je pense que j'ai choisi une couleur qui vous permettrait de bien voir et je pense que la lumière est assez sympa. Donc on va venir, regardez, si je mets ça comme ça, est-ce que vous voyez? On essaye de faire comme ça. On va reproduire ce schéma, mais du coup, alors moi je vais le reproduire dans ce sens. Ok? Regardez, je vous le mets là, vous devriez pouvoir le voir. Ok? Du coup, on va commencer par couper ici, donc au niveau du deuxième pli en partant de la gauche et juste, juste, juste à gauche de notre boudin puisque je travaille à l'envers. Donc, on va couper sur ce pli et on va couper jusqu'au deuxième pli horizontal. Ok? Là, on est en train de former une languette, donc on la raccourcit de façon complètement aléatoire et on biseaute pour réussir à travailler correctement. Et là, du coup, je vais me rapprocher en essayant de rester à portée de vue et dans le champ pour vous montrer, en fait, si je gigote pas, je pense que c'est assez clair. On va venir couper au-delà, donc on est à gauche du pli
au-delà du pli horizontal. Et ensuite, je contorsionne mes mains pour ne pas bouger. On va venir biseauter, mais extrêmement légèrement, vraiment à peine, à peine, à peine. Vous voyez là, dans le petit angle qui se trouve en haut à gauche, j'ai l'intersection de mes deux boudins. Là, j'ai très légèrement biseauté. Mon boudin est ici, mon boudin est là. Tous mes boudins sont sur le papier qui file à la poubelle. D'accord? Et du coup, vous avez ce résultat-là que l'on va reproduire sur les quatre côtés. D'accord? Donc là, on est sur la gauche cette fois-ci. Donc, on va couper immédiatement à droite. Et cette fois-ci, je vais me permettre de me mettre à ma main dans le bon sens. On raccourcit la languette, on biseaute, hop, donc jusque là. Là, on biseaute en visant le dessus du pli. Et là, on biseaute très très légèrement, pareil, toujours en étant au-dessus du pli. Du coup, je m'éloigne un petit peu, on a ça. Donc là, mon dessin, j'ai juste oublié là sur mon schéma de vous faire ça. Hop, ça, ce sont les quatre parties qui filent à la poubelle. Mais ce schéma-là, vous l'avez déjà vu 1000 fois sur mon blog ou sur des vidéos que j'ai déjà publiées. Et du coup, on va refaire exactement la même chose en vis-à-vis. Donc, la symétrie, hop. Pour les enfants du coup qui sont fâchés avec les mathématiques, vous pourriez utiliser ce projet pour leur faire comprendre ce que c'est que la symétrie, et je suis sûre que ça les amuserait beaucoup plus du coup, et qu'ils trouveraient ça beaucoup plus sympa de travailler la symétrie plutôt que de se perdre dans les livres de maths, j'en suis sûre. Donc on raccourcit, on biseaute. Hop, de l'autre côté on biseaute, on passe par-dessus le pli et là on est à gauche du pli, on biseaute très légèrement pour aller jusqu'au bord du boudin et on obtient ça. Donc ça, c'est ce que vous avez ici sur le schéma. Ok, est-ce que je suis claire? Est-ce que si je me mets comme ça, vous voyez toujours? Alors, du coup, on doit refaire 3 fois exactement la même chose. Donc, hop, on raccourcit la languette. Ça, c'est poubelle. On biseaute. On biseaute. Et on biseaute légèrement en enlevant tout notre petit boudin. Hop. Hop. Ici, je raccourcis. Alors, si vous avez une grande paire de ciseaux qui n'existe plus malheureusement non plus chez Stampin' Up, mais vous pouvez gagner du temps si vous avez l'impression d'en perdre avec les petits ciseaux. Après, les petits ciseaux permettent aussi l'astico à roulette revient par ici à la charge. Les petits ciseaux permettent aussi la précision que les grands ciseaux ne permettent pas du coup. Mais ça, c'est comme vous voulez. On peut faire avec l'un comme avec l'autre. Hop. Et mon tout, c'est gentil Marie-France. Mon tout nouveau travail se passe très très bien. J'ai été hyper bien accueillie, vraiment avec beaucoup de bienveillance. Je suis dans une équipe qui est heureuse de me voir arriver. Et du coup, j'ai déjà
appris plein plein de choses et je me sens hyper bien dans cette nouvelle dans cette nouvelle fonction. Donc c'est vraiment adorable. Mais oui, après il faut que je reprenne mes marques parce que voilà, comme vous l'avez bien compris, du coup je travaille tous les jours, ce qui ne m'était pas arrivé depuis bien 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 longtemps. Après, je rentre beaucoup plus tôt le soir, mais j'avoue que là, avec tout ce que j'ai à assimiler, du coup, je rentre le soir complètement KO. Donc, je profite de Rosalie, on profite du jardin, parce que même si elle n'a pas le droit d'aller dehors toute seule, elle adore aller dans le jardin avec sa laisse. Donc, on profite de tout ça et je me couche très très tôt. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour passer ce petit moment avec vous. Mais du coup, c'est vrai que ces journées sont denses et du coup fatigantes. Le temps que j'assimile tout ce que j'ai à assimiler. Mais voilà, ça va bien se passer. Je vais réussir à me réorganiser pour vous retrouver régulièrement et pour pouvoir vous proposer des projets toujours et toujours à réaliser avec nos beaux produits. Alors, qui nous a retrouvés? On a eu des coucous. Coucou de Christelle de Saint-Étienne, du coup, de Corinne. Coucou les filles. Merci de nous retrouver ce soir. Du coup, qu'est-ce que ils ont posé une question. Quelle unité, si ce n'est pas indiscret? Alors, c'est le pôle cardio-métabolique. Qui gère aussi la pneumologie, qui gère la chirurgie viscérale, c'est la diabétologie, l'allergologie, c'est un très très beau pôle avec, avec une équipe de cadres très jeunes et plein de bonne volonté, un cadre supérieur et un directeur du coup avec qui je travaille directement. Vraiment plein de bienveillance, donc c'est un vrai plaisir. Coucou Marie, je coupe, tu coupes sur les bourrelets ou alors à droite ou à gauche de celui-ci. Alors, non, je coupe, moi je ne coupe pas sur les bourrelets, c'est pour ça que je travaille à l'envers. Si vous travaillez à l'endroit, vous pouvez couper au milieu, mais du coup vous aurez une petite bosse à droite, une petite bosse à gauche. Moi, je travaille à l'envers et du coup, je regarde toujours ce que je veux conserver, ce qui sera visible sur ma boîte. Donc là, c'est les côtés de ma boîte. Enfin, ça sera les côtés de ma boîte. Du coup, je ne veux pas que les bourrelets soient visibles. Donc, j'ai coupé ici, juste à gauche de mon pli, quand j'ai coupé sur la droite. Et j'ai coupé à droite quand j'ai coupé sur la gauche. Vous étiez en cardio du coup, Françoise? En pneumo, si j'ai bonne mémoire. Petit problème de poumon et de respiration, il me semble. Alors, je ne suis pas docteur, hein, moi je soigne personne. Mais en tous les cas, j'aide activement au bon fonctionnement du pôle avec grand, grand plaisir. Donc là, on coupe immédiatement à gauche du pli, là, on coupe immédiatement à droite. Ce qui fait que, regardez bien, si je me rapproche, du coup, ici, il n'y a pas de bourrelet ni à gauche ni à droite. On a tout mis à la poubelle. D'accord? C'est une boîte qui a un body summer du feu de Dieu. Ok? Alors maintenant que j'ai fait les trois, je vais prendre mon plioir. Et je vais pousser ça. Hop, pousser ça. Je vais venir travailler un peu quand même dans un espace dans lequel vous pouvez voir quelque chose.
et je vais marquer tout mes plis. Ok, donc regardez, là je pousse, je pousse, je pousse et je vais marquer tout le monde en même temps. Je repousse par là et j'ai du coup marqué tous mes plis ici verticaux. Hop et hop. Embolie avec pneumonie. Ah oui. Oui. Je sais que vous aviez été vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Mais non, non, de toute façon, vous n'allez pas rechuter. Tout va bien aller, Françoise, j'en suis sûre. Il faut prendre soin de vous. Alors, donc le mieux est de travailler à l'envers. Moi, je travaille toujours à l'envers, effectivement, du côté où on a nos boudins. Comme ça, on les voit bien et on ne les loupe pas. Le papier, c'est le papier bien beige, effectivement. La toute nouvelle couleur qui a été réintégrée, enfin, non, qui a été intégrée, pas réintégrée parce qu'elle n'existait pas et elle n'a jamais existé, du coup, qui a été intégrée dans les essentiels, à côté du blanc, du vanille et du noir. Hop, alors, on pousse les trois, on repousse par là. Dans l'autre sens, tout pareil. 1, 2, 3, un coup de plioir. Hop. Et du coup, dans l'autre sens, on a deux petits plis de chaque côté. Hop. Et hop. Et là, du coup, on va travailler. Mais ça, on a déjà fait ensemble, en fait. Mais pour celles qui n'étaient pas là. On va travailler comme si cette partie-là, la plus extérieure, n'existait pas. Et on va fabriquer une boîte avec le reste. D'accord? Donc, on prend un tube de colle, hein, de la colle qui colle. Hein, c'est plus facile de travailler avec une vraie colle qui colle. Et du coup, on va en mettre vraiment une demi-goutte, mais bien au bord du pli pour venir rabattre hop, le côté de notre boîte. Et là, vous voyez que je ne suis pas tout à fait à hauteur. Donc, je fais glisser et j'essaye de me rapprocher avec du coup la netteté. Je fais glisser mes côtés l'un contre l'autre, enfin mon côté contre la languette, pour que le pli ici vienne s'aligner avec le pli là pour pouvoir former une jolie boîte après. On va ensuite faire la même chose avec le deuxième côté. Alors là, j'en ai mis un tout petit peu trop, mais ça va aller quand même. Hop, et on vient le positionner pareil et le faire glisser un tout petit peu si c'est nécessaire. Hop, si ça babouille un tout petit peu, on passe un petit coup de doigt et puis tout va bien. Ici, du coup, je vais venir mettre de la colle à droite, enfin sur ma languette de droite et sur ma languette de gauche pour avoir, une fois que je vais avoir repoussé mon côté, du coup, ne pas avoir à bidouiller ma boîte dans tous les sens. Donc, je hop, positionne le premier côté. Quand je suis contente du résultat, je positionne le deuxième côté et je viens coller tout ça. D'accord? Donc, imaginez, regardez, si je fais ça, hop, on imagine que ces rebords ne sont pas là. Du coup, on a une boîte tout à fait classique. Alors, on aurait pu complètement faire ça hein, pour faire les trois petits tiroirs. C'est pas vraiment des tiroirs, les trois petits casiers. Le truc, c'est que si on n'a qu'un rebord, déjà ça, c'est pas très joli. Et puis en plus, c'est pas très costaud. Alors que là, du coup, on va venir hop, mettre un petit chouille de colle, pousser ça à l'intérieur. Comme le rabat fait 1 mm de moins que le côté, du coup, il vient se positionner tout pile. Comme on a légèrement, légèrement, légèrement biseauté en largeur, ça se positionne aussi tout pile, tout pile. Alors attention, j'ai failli faire une grosse bêtise. Hop, je suis toujours là, mais je branche mon ordinateur
qui a failli mourir de batterie, et là on aurait été marron, plus de live. Et du coup, regardez, on va rabattre comme ça nos quatre côtés. Alors, vous pouvez aussi faire les grandes pros et venir appliquer comme ça les côtés avec votre plioir. Ça fait hyper classe hein, quand on fait une démonstration. Hop, on fait comme ça. Ah, Rosalie, troisième passage. Non, je me cache derrière l'ordinateur, mais je t'ai vu. Hein? Non, mais elle m'a ramené. Je lui donne. C'est un chat, hein, mais elle adore jouer avec des petites boules de papier que je lui lance et qu'elle me ramène. Et que je lui relance et qu'elle me ramène. Et donc, elle me ramène sa petite boule discrètement. Mais là, Nounou, je sais que quand on fait ça, tu deviens tout fou. Et si tu deviens tout fou, tu vas tout détruire. Et ça ne va pas du tout aller. Promis, on joue avec ta boule après la nuit. D'accord? Allez, on va faire la deuxième boîte exactement pareil. Donc, hop, un premier côté. Touc. J'en colle le deuxième côté. Alors, j'aurais pu coller pendant que ma boîte était bien à plat. J'aurais pu coller directement mes décorations. Oh, Rosalie, tiens, il est là-bas. Allez, fuis. Oh ! Hop, bouchon de colle tombeau, ça aussi, c'est une de ses passions. Hop, elle va aller jouer un petit peu et nous, on va continuer de faire nos boîtes tranquillement. Donc oui, je disais, pendant que les boîtes sont bien à plat, j'aurais pu faire directement mon habillage en fait. Mais comme c'est vraiment pas compliqué et que je préfère ne pas réfléchir de trop ce soir, du coup, je vais les positionner et ensuite on pourra les habiller et comme ça, on ne risque pas de faire des bêtises. Hop, donc, un côté, deux. Alors là, vous n'avez pas besoin de, sauf si vous utilisez la colle qui colle vraiment pas, hein, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser 3 litres de colle. Hein, c'est juste pour que votre rabat reste bien, du coup, comme ça, à l'intérieur de votre boîte. D'accord? Hop. Quatrième côté et du coup voilà notre deuxième boîte est prête à aller après dans sa petite structure. Donc là moi j'en ai fait une oh là là vous l'entendez, j'en ai fait une basse et une haute, je mets de côté et du coup on va faire la deuxième boîte haute. Alors, bien évidemment, hein, vous pourriez imaginer faire ça avec des boîtes de la taille qui vous plaît. Et ensuite, il suffit juste, si vous voulez faire des boîtes plus hautes, plus basses, on aurait pu imaginer faire plein de petites boîtes moins hautes. Et du coup, si vous voulez faire ça, après, il suffit juste de réajuster la hauteur de votre structure si les dimensions ne correspondent plus. Ouais, là, elle joue avec bon cœur. Elle s'amuse toute seule. Elle est partie avec le bouchon de la colle. Et du coup, elle le fait glisser partout. En général, le jeu s'arrête quand il arrive sous un meuble ou quelque chose comme ça. Et du coup, sous le frigo, et que du coup, elle n'arrive plus à aller la récupérer. Elle vient en pleurer un autre, du coup. Mais le bouchon, elle ne me le ramène pas. Si je lui lance la petite boule de papier, du coup, elle va me le ramener. Mais après, elle me le ramène directement en plein milieu de mon bureau, là. Et comme je veux quand même pas qu'elle vienne faire le zozo sur l'ordi et tout, sinon on n'aura plus de live. Du coup, je ne vais pas lui lancer cette petite boule, je le ferai tout à l'heure. Alors, hop, et du coup,
Là, on est du coup gentiment déjà en train de finir la troisième boîte. Quatrième côté, hop. Donc là, en fait, c'est assez facile puisque on a des carrés. Et si vous faites la version rectangulaire, par contre, il faudra faire attention à la manière dont vous allez positionner les habillages. Vous voyez que là, j'ai ce côté d'habillé. Si je reste pas dans le champ, ça va pas marcher. Ces deux côtés sont habillés, alors que les deux autres ne le sont pas, ceux qui sont collés à l'intérieur. Du coup, si je reprends, bon, si je défais, si j'essaye de défaire du mauvais côté, du coup, ça marche pas. Si je reprends la version rectangulaire, vous voyez pas très bien en fait, mais là on a un rectangle, donc ici c'est long et ici c'est court. Donc il faut faire attention à la manière dont on positionne justement ces habillages pour que après ça soit joli quand on met tout ça la petite structure. Donc là, pour habiller ça, moi j'ai choisi du coup horizon de bruyère et notre papier lavande vivace avec cette espèce de petit papier à carreaux là, je sais pas trop comment ça s'appelle, comme du Vichy, non? Je ne sais pas si ça a un nom particulier, mais du coup, vous allez avoir besoin deux rectangles unis de 2,7 cm par 5,7 cm. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous dis les mesures, vous les aurez sur mon blog, hein, sauf si vous travaillez en même temps que moi. Du coup, vous me redemandez au fur et à mesure. Mais 2,7 par 5,7. Et dessus, on va venir coller des petits rectangles. Hop, de 2,4 par 5,4. Alors, vous essayez de viser le mieux possible et de les mettre le plus droit possible. Non, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Donc voilà. Hop. Et là, du coup, je le prends dans ma main pour faire glisser mon papier. Hop, l'uni et l'imprimer. Il me faut 4 rectangles pour les plus grandes boîtes, cette fois-ci qui mesurent 3,2 par 5,7 cm. Et du coup, ces rectangles, ils vont être habillés par des rectangles de papier imprimé de 2,7 par 5,7. Tout à l'heure, on avait 2,4. Maintenant, c'est 2,7. Hop. Donc, on habille ça comme ça. Là, je vous dis, hein, si vous êtes tranquillou à la maison, c'est bien plus facile du coup de le prendre directement dans les mains pour pouvoir bien positionner le papier. Hop. Et du coup, ces rectangles-là qu'on vient d'habiller avec du papier imprimé, on va venir les positionner sur nos boîtes. Et à chaque fois, on va venir habiller un angle. Donc, je vais vous montrer. Hop, si je prends celle-ci par exemple, c'est la plus petite. Donc, je mets. Hop, et s'il y a un angle que vous avez un petit peu raté, ou du coup, vous choisissez l'autre. Comme ça. Vous mettrez moins en évidence les petites bêtises que vous avez pu faire. Donc, on choisit son premier côté, on choisit son deuxième côté, et du coup, on va venir comme ça enfin, habiller ici un angle en fait. D'accord? Enfin, deux côtés qui se suivent.
pas comment vous avez compris, je pense, hein. Je sais pas comment dire, mais coucou Patricia, ça marche, avec plaisir, bonne soirée. Donc, voyez, deux côtés qui se suivent, on aligne. Ok? Donc, ça, notre boîte, elle sera positionnée ici à gauche, à droite, pardon, si je reprends exactement le même schéma que l'autre. Ici, du coup, j'en aurai une comme ça et une comme ça. Vous voyez, si je mets l'autre à côté, voilà ce que ça donne. Regardez. Comme ça, vous pouvez mieux visualiser. OK? Si je fais comme ça, normalement, vous voyez tout. Donc, on va du coup choisir notre côté préféré. Ah, ça, c'est cool. Si vous comprenez ce que je raconte, c'est cool parce que j'ai pas forcément l'impression d'être hyper claire. Étant fatiguée, j'ai parfois l'impression de manquer un peu de clarté. Donc, du coup. Là, le tout c'est de visualiser. Oui, madame, merci de tout détruire. Donc, ici, on met celui-là là. Hop, et on met celui-là sur l'autre boîte. Hop, on met pas trop haut, hein, un peu au milieu. Et du coup, regardez, si on visualise comme ça, hop, hop, on va mettre un ici. Ok, là c'était ici, là c'est ici. Donc je tourne et on colle les deux autres. Hop et hop. Un petit peu de colle par ici. Après, c'est pour que vous puissiez visualiser, d'accord? Parce que de toute façon, enfin, si j'avais collé ici et ici, ça aurait été la même chose, hein. Mais c'est pour que vous visualisiez bien par rapport au projet. Et comme ça, quand on visualise, en fait, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Hop, voilà. Tchouk et tchouk. Donc, on a nos trois boîtes qui sont prêtes. Maintenant, on va faire notre structure. Et vous allez voir que c'est hyper simple et que ça va aller très très vite. Donc, je mets ça à droite, je mets ça à gauche. La colle, on va en avoir besoin très très vite. On va prendre deux nouveaux rectangles. Et du coup, ils mesurent tous les deux 23,2 cm de hauteur et en largeur, on en a un qui mesure 14,1 cm et un qui mesure 12,6 cm. Alors, je vais prendre le plus petit, reprendre mon coupe-papier. Du coup, 23,2 par 14, non, par 12,6, pardon. On va venir sur le petit côté, faire un pli au milieu, donc à 6,3 cm. Attention, c'est un pli. Et dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 6,3 cm en haut et, hop, je passe par là, 6,3 cm en bas. Ok, donc on a en hauteur un pli à 6,3 cm. Ici, on a 6,3 cm du bord haut et 6,3 cm du bord bas. Alors, sinon, vous pouvez faire 6,3 et 16,9. Mais comme ça me paraît assez simple de visualiser en fait. Avec l'autre, du coup, il mesure toujours 23,2 cm de hauteur, mais 14,1 cm de largeur. On va faire à nouveau un pli à 6,3. On va faire un pli à 12,6. Donc 2 fois 6,3. Et ensuite, en haut, un pli à 6,3. En bas, un pli à 6,3.
Ok? Donc, assez simple. Regardez, je vous montre mon petit schéma. Faites attention, les proportions ne sont pas tout à fait bonnes parce que du coup, j'avais fait en premier pour le rectangle, mais je me suis dit qu'en live, en peu de temps, ça serait trop compliqué. Donc, on a un pli à 6,3 en largeur. Pour le plus grand, 12,6 et ensuite 6,3 du haut, 6,3 du bas. On va reprendre du coup sur l'envers. Et là, on va venir couper ici. Alors, je vais couper immédiatement à gauche du pli et immédiatement à droite. Qui fait que j'enlève une petite tranche de papier là qui fait probablement moins de 1 mm. D'accord? Et ensuite, dans l'autre sens, je viens couper ça comme ça pour m'en débarrasser. D'accord? Ah, coucou Dominique! Je retourne puisque on a la même chose en haut et en bas. Donc, on va découper immédiatement à gauche. Immédiatement à droite et j'enlève ma petite languinouchette là. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Je reprends celui-ci et du coup, alors dans un sens ou dans un autre, hein, on s'en fiche. On va faire la même chose là sur le pli qui est le plus au milieu. Donc à gauche, à droite et hop, on enlève l'autre côté pareil. À gauche, hop, à droite. Hop, et on enlève. Et du coup, là, avec le dernier pli, coucou Louison, avec le dernier pli ici, du coup, qui se trouve à ma droite, regardez, on va faire une languette. D'accord? Donc, regardez pas ce qu'il y a en haut, en bas pour le moment. Là, on va faire une languette avec ça. Donc, je garde toujours le même principe. Là, je vais couper du coup immédiatement à gauche de mon pli jusqu'au-dessus de mon pli. Donc ça, c'est ce qui va à la poubelle et du coup, ça part à la poubelle avec le boudin et je coupe comme ça. Ici, pareil, je biseaute et là, puisque cette fois-ci mon boudin est sur la gauche, je coupe immédiatement à droite. Et du coup, regardez, là j'ai jeté tous mes boudins. Vous voyez que là au milieu, j'ai retiré le boudin ici, ça c'est ma languette et on a la même chose en bas. Une fois qu'on a ça, en fait, ça va venir se coller comme ça. Alors, on va mettre la languette à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est du côté de mes boudins. OK? Donc la languette à l'intérieur. Je bascule tout pour que ce soit plus facile à vous montrer et à travailler. Et je viens mettre de la colle ici sur ma languette. Toujours de la même manière. J'en mets un tout petit peu, mais j'en mets un tout petit peu partout. Et je viens en fait en collant mon deuxième rectangle, je viens faire comme si en fait j'avais un grand rectangle comme ça. Si vous avez du papier 30-30, vous pourriez le faire en une seule fois. Mais là, du coup, je ne voulais pas utiliser. Regardez, donc là, j'ai un premier pli ici. Un deuxième pli ici et du coup en dessous j'ai ma languette mais j'ai reconstitué la même chose qu'ici et ici. Donc du coup là j'ai un grand rectangle de papier que je vais maintenant pouvoir travailler.
pour reproduire ça, en fait. Et du coup, là, je vais donc venir enlever des petits angles comme ça de papier et venir faire un pli ici et je vais vous montrer. Donc là, pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de bien vous montrer, vous pourrez prendre le coupe-papier, hein, mais coucou Aline. Mais je vais prendre ma petite planche de coupe et mon outil touche à tout avec le petit accessoire cutter là. Parce que moi j'adore ce cutter. Je trouve qu'il coupe hyper bien. Alors j'aurais bien voulu trouver ma règle. Mais je ne sais pas où je l'ai mise. Forcément, quand vous faites du cutter, enfin quand vous, elle est là tout simplement à sa place. Quand vous utilisez un cutter, évitez d'utiliser vos règles magiques. Alors moi je le fais régulièrement, mais je fais régulièrement aussi des bêtises. Et du coup, faites bien attention de ne pas abîmer vos règles magiques quand vous avez des règles magiques. Regardez, ce que je vous propose, là il y a de la colle, on va faire comme ça. Ce que je vous propose, c'est de vous faire visualiser en fait votre projet. Vous voyez, on est en train de fabriquer cette partie-là. D'accord? Donc, si je marque mes plis, vous allez voir tout de suite. Alors, je fais ma crâneuse, je prends mon plioir, surtout que j'ai plusieurs de mes filleules qui me regardent, donc il faut faire quand même un peu attention. N'importe quoi. Steph, tu commences à délirer complet, là, la fatigue te gagne. Hop, donc on marque les plis et dans l'autre sens aussi. Hop, hop et hop. Donc, si vous visualisez là notre bidule, que je peux mettre par exemple par ici. Non, ou par ici, ça cachera moins la lumière. Voilà, on va le mettre par ici. Je pense que vous devriez pouvoir le voir. On a du coup ici notre angle, là, qui est ici. D'accord? On va avoir du coup besoin de couper. Alors, je ne fais pas exactement au bon endroit, comme ça, je n'aurai pas besoin de gommer. Couper comme ça et venir enlever cette partie-là, du coup, pour venir former ce triangle. Et faire la même chose ici, faire la même chose en bas. D'accord? Dans un premier temps. On va faire tout ça. Alors, regardez. Hop, hop, hop. Là, vous avez le schéma hein, en même temps que vous retrouverez tout à l'heure sur mon blog. Donc, du coup, là, je vais me mettre de l'angle ici en bas à l'angle ici et je vais venir couper avec mon cutter. Alors j'appuie pas fort, c'est pour ça que je passe deux fois, mais je vous promets qu'il coupe hyper bien. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté en vis-à-vis. Hop et hop. Voilà. On va faire, là j'ai pas été très généreuse, j'aurais pu, je vais tricher un peu, hop, vous fermez les yeux, j'aurais pu, ah, venir couper là un petit quart de millimètre en plus, ça veut pas, c'est pas grave. On fait la même chose dans l'autre sens, d'accord? On va faire exactement la symétrie, d'accord? Deuxième exercice de mathématiques. Hop, ici, oh, je suis en train de me dévier de la règle, c'est pas grave, ça se verra pas, ça sera caché à l'intérieur, vous avez rien vu, hein, et ici, hop, voilà, stop. Une fois qu'on a ça, en fait, dans l'autre sens, on ne va pas le couper, on va venir le rabattre dessus. Et du coup, regardez, en fait, si vous visualisez, on va venir le coller comme ça. Et cette partie-là, en fait, on va venir
La plier, donc on va faire un pli comme ça pour venir plier par-dessus. Ici, on va faire pareil. On va faire un pli comme ça et on va venir plier par-dessus. Ici, voilà. Notre pli, il vient comme ça et il se plie par-dessus. Et ici, notre pli vient, hop, comme ça et ça vient se plier par-dessus. D'accord? Ça, vous avez toujours, regardez, là, si je me mets là et je mets mon schéma à côté, vous voyez, j'ai bien exactement la même chose. J'ai retiré là mon petit angle et là, je vais faire un pli. Là, pour faire le pli, je vais remettre ça pour essayer de ne pas arriver, retourner à l'hôpital ce soir. Et je vais prendre maintenant mon coupe-papier, je range là mon truc et voilà. Donc là, le coupe-papier, vous allez pouvoir l'utiliser en fait facilement. On va tournicoter. On va regarder là au travers de la réglette de bien se positionner, de positionner le croisement ici, la pointe ici, bien en face de notre réglette. Et du coup, on va venir marquer comme ça tous les plis qui nous intéressent. Donc, on en a 4 en tout, hein, ok? Un deuxième, un troisième. Et du coup, vous voyez, quand on visualise le projet, il n'y a pas de doute à avoir. On a directement, on est sûr du coup de ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est des fois pas forcément évident dans l'espace de bien se rendre compte des choses. Donc vous voyez, on a ça et on va venir monter à notre bidule dans 2 secondes. Mais comme là, on est bien à plat et qu'on n'a que des morceaux identiques, du coup, je vais prendre mes 4 rectangles du coup horizon de bruyère que je vais venir hop, coller comme ça. Habillé de mes 4 papiers imprimés que je vais venir coller comme ça. Et du coup, là, on a des rectangles. Bonsoir Geneviève. On a des rectangles qui font 10,3 cm de hauteur et 6 cm de largeur pour le papier uni. Et 10 cm de hauteur, 5,7 cm de largeur pour le papier imprimé. Si jamais vous ne voulez pas mettre 2 couches, mais que vous voulez mettre directement du papier imprimé, du coup, vous prenez la mesure du papier uni. Encore du mauve. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux, Dominique. Encore du mauve. Hier, j'ai fait un projet. J'ai pris du vert. Je me suis dit, allez, file. Fil de la case rose, mauve, prends du vert. Mais tu vois, le naturel revient toujours au galop. Et là, du coup, alors, ça, c'est un projet. Enfin, on m'a demandé une thématique. Je vais préparer différentes petites choses. Du coup, là, il fallait que ça colle à la thématique. Donc, effectivement. Je suis dans le mauve, je suis dans le mauve, mais à coup de pas. Hop. Hop, je pousse à chaque fois pour bien positionner. En voilà 2. Je vais mettre par là. Je récupère les 2 autres. Hop. Hop. Là, on va se mettre comme ça. Donc, on appuie bien. Et ici, du coup, hop. Ben, moi aussi, j'adore cette couleur. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mauve. Mais moi, j'aime beaucoup le mauve. Je trouve que c'est très joli comme couleur. Alors, ensuite, on met de la colle sur notre papier uni.
Et on vient, hop. Alors, pour les puristes, le papier lavande, il est absolument magnifique, effectivement. C'est un très très joli papier. Alors là, encore une fois, on m'a demandé d'investir dans quelque chose d'extrêmement sobre, donc voilà. Mais ouais, les dessins sur ce papier sont absolument magnifiques. Non, ça va pas du tout. C'est pour ça que je vais les refaire vite parce que non, ça ne va pas du tout avec mes couleurs de scrap. Du coup, pas du tout joli sur les vidéos. Oh, ouf, un stone. Hop. Et du coup, hop. Ouais, c'est un projet qui est vraiment chou, je trouve. Voilà, donc maintenant qu'on a habillé les quatre côtés, on va pouvoir coller. Ah, problème de connexion, mince. On va pouvoir coller ça. Donc, on va venir en coller. Un... Oh, mais je suis partie à perpète, hein, je crois. On va venir en coller un premier triangle. Hop, et hop, un petit peu de colle comme ça. Et on va venir le positionner. Hop, sous notre carré. Alors, attention de bien aligner. Une fois qu'on a positionné ça, j'aurais pu le faire avant, je vais le faire pour les autres côtés. On va ici marquer notre pli et on va du coup venir remettre une petite chouillette de colle et venir appliquer notre triangle. Alors vous ne voyez absolument rien. Donc, je vous remontre maintenant tout de suite. Voilà. Ça bug ce soir. Voilà, c'est parce qu'ils ont pris toute la connexion pour les Jeux Olympiques, toute la connexion pour les événements de demain, plus de connexion pour nous. Ah, ça dépend peut-être des régions en même temps. Hein. Voilà, du coup, on a fait un premier angle. Alors, avant de faire les autres, je vais venir là marquer mes plis, ça sera plus facile. Hop, et puis le dernier est là. J'étais en train de chercher le dernier. Hop, si je perds un côté de ma boîte, ça ne va pas faire. Du coup, là, on refait la même chose. Hop, on vient mettre un petit peu de colle sur le triangle. Le triangle, on vient le coller sous le carré. Hop, en faisant bien les angles. Sous le carré sur lequel on vient de faire du coup notre pli. Une fois que c'est bien collé, on vient remettre un chouï de colle ici et ah, bon, j'ai mon truc. Eh ben, je vais tricher. Ok, banane. Je discute et du coup, alors faites attention à ça. J'ai fait bouger du coup. Hop. Du coup, là, j'y vais à la sauvage, mais là, j'ai plus le choix. J'ai fait bouger mon triangle à l'intérieur et du coup, ça ne plie plus. Bah, bravo Stéphanie. Donc là, je rabiote à la sauvage hein, pour réussir à plier. Hop là, vous n'avez rien vu. Ah non, bah là, pour le coup, voilà, ça m'apprendra de raconter des bêtises. De trop papoter. Donc voilà, faites attention, ne faites pas glisser la pointe de votre triangle. Laissez-la bien alignée à l'intérieur pour que ça ne vous gêne pas. Après, ce triangle, hein, si vous avez peur qu'il vous embête, regardez, vous pouvez faire très discrètement. Vous faites ça en dehors de la vue de tout témoin. N'est-ce pas? Et vous faites ça, comme ça, regardez, cette fois-ci, vous êtes absolument sûr
parce que c'est caché à l'intérieur en fait ça. Vous êtes absolument sûr que ça, ça va pas vous embêter et que du coup votre triangle là ne va pas vous embêter quand vous allez vouloir replier le côté qui va à l'intérieur. J'ai pas attendu que ça sèche. Oh là là là, je fais que des bêtises ce soir. Donc voilà, si on fait ça comme ça très très discrètement, mais je vous dis, on n'a aucun témoin de ce petit abus à la sauvage. Hop. Non, j'ai absolument rien fait, Françoise. Non, non, pas du tout. Je mets de la colle sur mon triangle. Je viens aligner le côté. Et comme on a été d'une précision exemplaire, comme le disait Dominique, et ben quand je rabats mon triangle, on a quelque chose d'absolument splendide. Vous voyez ? On a nos côtés comme ça qui sont du coup parfaitement alignés et c'est trop trop beau bien évidemment. Alors du coup nos côtés sont alignés là. Expliquez-moi pourquoi il me reste tout ça. Je gueillote complètement les filles. J'ai fait des découpes, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'était mes chutes, pardon. Pour habiller, si le témoin est Rosalie qui, elle, va négocier dur, dur, attention, elle répète tout. Ouais, là, j'ai peut-être un peu d'inquiétude à avoir. Vous voyez, s'il y a une pointe qui ne vous plaît pas, là, toujours pareil, sans aucun témoin, vous passez votre ongle comme ça pour l'aplatir un petit peu et hop, là, ça ne se voit plus. Alors, pour habiller le dessus de notre boîte, on va prendre deux carrés. Un carré de... Ah, j'ai cru que j'avais marqué un carré de 6 cm. N'importe quoi, de 6 par... Je sévère. Hein. Donc, un carré de 6 cm uni, un carré de 5,7 cm de papier imprimé. Et là, regardez, cette fois-ci, c'est pas de la triche. C'est une petite astuce. Dans la plupart des tutos, on va vous dire de le couper en deux en diagonale pour venir habiller ce dessus de boîte. Si on le coupe en deux, du coup, on n'aura pas de matage sur le rebord ici. Et, oh, mais je ne suis pas dans le champ, mais dites-moi, je ne suis pas dans le champ, les filles. Donc, je recommence. Ça va venir habiller le dessus de notre boîte. Et moi, j'ai un matage là sur les côtés. Pourquoi est-ce que ça fait ça là? Regardez. Hop là, voilà. Je veux aussi un matage au milieu. Mais si je coupe mon carré en deux, je n'aurai pas de matage au milieu. Donc, je vais prendre une règle. Je vais reprendre mon cutter parce que ça sera plus facile à faire avec un cutter. Et regardez, au lieu de couper au milieu comme ça en allant de pointe à pointe, j'ai décalé un peu vers le bas, alors en restant droite, et je vais venir hop, couper comme ça. Donc vous voyez, si je me rapproche, oui, bon appétit Françoise, plein de gros bisous. Ah bah oui, du coup, je suis désolée, effectivement, tu as perdu le fil. Du coup, là, j'ai un triangle qui est plus petit et là, j'ai un triangle qui a un surplus. Donc, je retourne dans l'autre sens et en fait, je vais refaire exactement la même chose. Je vais couper le deuxième comme le premier. Donc, en reprenant, en me décalant à nouveau un peu vers le bas. Alors, vous pouvez prendre des mesures hein, si vous voulez, mais ça n'a pas besoin d'être supra précis. Le tout, c'est de rester droite, en fait. Et du coup, regardez, celui-ci,
Il va venir se positionner ici comme ça avec un matage. Là, je veux mon matage ici et je veux mon matage là. Donc, hop, je reste toujours dans le champ. Si je me rapproche un peu, c'est plus facile pour vous. Si je fais comme ça, hein, ça sera plus facile à voir. J'ai plus mes repères. Où est-ce que j'ai fait mon repère? Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Alors attendez, avant de faire des grosses bêtises, je vais remettre mon papier pour voir où est mon repère. Ah bah c'est bien du coup. Voilà. Donc là, je reste dans le champ, hop, et du coup, je viens couper le long de mes repères. Hop, j'essaye de pas faire gigoter quoi que ce soit. Et du coup, je viens directement, avant de perdre le morceau qui était concerné, je viens faire ça et je viens le coller ici. Voilà. Et du coup, bah, je retrouve forcément mon matage, hein, que je voulais. Et du coup, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais repositionner mon papier ici. Ah, je suis trop loin. Je repositionne mon papier ici comme je veux qu'il soit sur mon volet. Je viens faire une marque ici, une marque là. Je prends ma règle, mon cutter. Je viens couper. J'espère que je suis bien en face parce que par contre je suis pas du tout en face de mes yeux. Hop. Là, je vais remettre ma caméra comme ça, comme elle était tout à l'heure ou à peu près. Je pense. Hop. Donc là, je viens coller du coup mon papier imprimé sur mon papier uni. Hop. Et je viens coller tout ça. Alors, je ne suis pas mis comme tout à l'heure. Voilà. Je viens du coup coller un morceau à droite. Et du coup, j'ai mon matage qui est aussi bien sur le bord de ma boîte que sur le bord de l'ouverture. Je viens reprendre le deuxième et le mettre de l'autre côté. Hop, voilà. Il nous reste du coup à venir coller nos petites boîtes. Donc, on va mettre de la colle sur les deux côtés qui n'ont pas de papier imprimé. Je prends la plus une haute que je viens positionner en haut dans mon angle. Hop, j'attends 2 secondes que ça colle. Là, c'est précis, voilà. Je viens prendre celle-ci. Hop. Alors faites attention en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Surtout, vous mettez... Enfin, il faut que ça colle. Hein. La pâte de fermeture, on va venir la mettre... je vais vous montrer. Alors, je vais vous expliquer comment faire celle que j'aime le moins et vous montrer comment faire l'autre. D'accord? Du coup, ma dernière petite boîte, elle va venir se coller ici. Et là, par contre, vous devez viser pour que quand on ferme, ça ferme hein, forcément. Si je colle ça ici, ça ferme plus, c'est ballot. D'accord? Donc, vous faites bien attention à la façon dont vous collez avec de la colle qui colle, du coup, votre boîte. Alors là, il faut que je mette en face...
peut-être moins en face de vous, mais en face de moi, en tous les cas, pour que je puisse viser. Ah! Non, vous voyez, là, je suis en train de faire des grosses bêtises. Ça serait ballot de finir par une bêtise quand même. Voilà. Hop. Donc surtout, vous collez pas sans que vous n'êtes pas sûr que ça va bien passer. Hein. Et du coup, là, cette fois-ci, ça passe bien. Donc, ouf, on a bien travaillé. Alors, voilà notre boîte. J'adore, hein. Même si c'est du mauve, j'adore. Alors, bien évidemment, j'ai donc celui-ci, c'est un morceau qui mesure 6 cm de hauteur par 5,5 cm de largeur. Et j'ai un pli à 1 cm. Du coup, effectivement, ce système-là, il faut le mettre avant de coller les boîtes puisqu'il est collé à l'intérieur. D'accord? Ce système-là, il est par l'extérieur et je trouve que c'est bien aussi et ça permet d'habiller en fait la boîte. J'ai juste pas noté les mesures, donc je vais vous les donner en direct. Donc on a 11 cm de longueur avec un pli à 5 et on a 3 cm de largeur. Donc je vais reprendre parce que du coup je n'avais pas découpé ce morceau. Donc je vais le faire en même temps que vous. On a un petit morceau qui mesure 3 cm. On a dit, hop, on fait attention que ça ne gigote pas. Ça c'est à la poubelle. On a dit un pli à 5 cm. Hop. On a dit. Ah, je me suis trompée. Bah c'est pas grave, il y aura une épaisseur de moins. On a dit 11 cm. En fait, je viens de voir que j'avais 3 épaisseurs de papier là sur celui-là. Et bien, il n'y en aura que deux sur celui-là. Voilà. Donc, là, du coup, pour habiller ça, on va reprendre du papier imprimé. Et du coup, là, on a 3 cm. Donc, on va faire 2,7. On a 5 cm. On va faire 4,7. On a 6 cm. On va faire 5,7. Donc, tout ça, hop, on va prendre ça dans des petites miettes qui nous restent. En essayant de ne pas la faire bouger. Donc on a un 2,7, hop, je me rapproche par là, par 5,7. Toc. On a un 2,7 pouf, par 4,7. Repouf. Donc ça, c'est des petites miettes quand même. Au bout d'un moment, les miettes, on peut les jeter à la poubelle. Hein. Alors, oui, je disais donc tout à l'heure, pour les puristes, hein, les aimants, vous pouvez les cacher à l'intérieur. Moi, je trouve pas ça particulièrement, particulièrement moche, un aimant. Donc, voilà, ça dépend ce qu'on fait. Là, je trouve pas que ça soit supra gênant, mais sinon... On peut le mettre ici en fait, d'accord? Et puis sous le papier imprimé sur la boîte. Ici, donc, on vient mettre notre deuxième. J'aurais bien mon chou plus à droite. Voilà. Là, du coup, j'ai mis le traviole dans l'autre sens. Hop! Donc. Là, mais c'est toujours en accord avec moi-même, du coup, j'ai un côté qui est plus grand que l'autre. Donc, vous allez soit le mettre comme ça, soit le mettre comme ça. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Après, la languette, j'ai juste oublié
que du coup on a là un projet carré et là un projet rectangulaire, donc on aurait pu faire la même longueur des deux côtés, mais ça c'est pas très grave. Les aimants, regardez, moi j'ai des aimants comme ça. Ce sont des aimants qui mesurent combien? Je sais pas. Je vais vous dire ça. Un petit centimètre. Donc, qu'est-ce que j'ai dit qui m'arrangeait? De faire comme ça ou de faire comme ça? Je sais pas. Comme ça. Et on va cacher les papillons. Enfin, on va mettre les papillons de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, du coup, je vais mettre de la colle. Ouais, sur Amazon. Alors, moi, je les prends sur. Sur comment ça s'appelle? Asa ou Soluscrap. Après, il y en a sur Amazon, effectivement, aussi. On le met au milieu. Ici en largeur. Là, du coup, on va venir ici. Ils sont autocollants en plus, ceux-là, donc c'est top. J'ai un mètre un ici. Le deuxième, je le mets directement dessus, comme ça, j'ai pas de calcul à faire. J'enlève le petit opercule de protection. Je mets ça droit comme j'ai envie. Et je viens hop, appuyer et du coup mon aimant il est positionné au bon endroit. Là si je veux appuyer plus fort, j'ouvre mon projet et hop, j'appuie fort. Ok, et on a notre petit système de fermeture. Alors regardez très 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 vite, je vous montre parce que j'ai préparé les petits papillons comme ceux-là. Mais du coup en parme. Alors j'en ai préparé deux et je les ai pailletés. Où est le deuxième? Il est là. Regarde, je sais pas si vous arrivez à voir les paillettes, mais c'est trop trop beau. Et je voulais vous montrer du coup que pour pouvoir colorer mes papillons comme ça, j'ai utilisé les petites brosses estompes avec du papier de masquage. Mais en fait, au lieu. Oh mince, déchiré. Hop. Au lieu d'utiliser comme d'habitude, en fait, cette partie-là pour cacher mon dessin, j'ai utilisé l'extérieur et en fait, c'est l'extérieur de mon dessin que je vais cacher. Donc, du coup, en deux fois, puisque je l'ai déchiré, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas du tout grave. Hop. Donc, je cache l'extérieur de mon papillon. Et comme ça, quand je vais venir. Alors, j'ai choisi Grappe Gourmande parce que ça a un ton un peu plus fort et du coup, ça est plus facile. Quand je vais venir colorer mon papillon, voilà, avec l'intensité que je veux, hein, je mets plus ou moins de couleurs. Et du coup, j'ai décidé d'intensifier plus ici. Du côté du corps du papillon et moins au bout des ailes. Ok. On fait ça, on en profite, on a nos paillettes. On vient mettre un peu de paillettes et pendant que l'encre n'est pas complètement sèche, du coup, je sais pas si vous voyez, mais je peux faire migrer un peu les couleurs comme si j'avais un crayon estompe avec mon crayon à paillettes. Et regardez, quand j'enlève. Du coup, mon masque, le tour de mon papillon est bien tout blanc, ce qui va me permettre, quand je vais le détourer, de ne pas avoir de la couleur de partout, mais d'avoir un contour de papillon qui est du coup bien bien blanc. Hop. Donc, je vous rappelle que quand on détourne, on a son. Ces ciseaux qui sont complètement fixes et en fait on fait tourner hop son travail et on ne bouge pas son ciseau, on fait que l'ouvrir et le fermer.
Je me suis foutu de la colle de partout. On va prendre des petites mousses 3D. Hop, qui ne devraient normalement pas être bien loin. Avec, du coup, mon autre outil touche à tout sur lequel j'ai des pic-pics. On met deux petites mousses 3D là au niveau du corps du papillon. Comme ça, je vais pouvoir le positionner comme je veux. Et je vais venir du coup superposer mes trois petits papillons. Vous entendez Rosalie qui revient à la charge. Je vais en mettre un là. J'ai fini ma note. Je vais en mettre un ici. Hop. Et un dernier un peu plus bas. On peut mettre du coup. Ah, j'ai pas un peu le calcul. On peut mettre des petits bling bling. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Faites-vous plaisir. Moi, je trouvais que cette petite envolée de papillons était trop jolie. Alors là, ce live va durer déjà bien, bien trop longtemps. Donc, je ne vais pas refaire la petite étiquette, mais je vous décide juste regarder. Comme d'hab, c'est un tampon long. Donc, ancrez une partie, comme c'est un tampon transparent, ou mettez un scotch. Ancrez une partie et tamponnez en fait ce tampon sur deux lignes au lieu d'une pour avoir votre petite étiquette comme ça. Mettez des bling bling, faites-vous plaisir. Hi Carrie, how are you? Oh. No matter, it's okay. Donc, vous mettez votre petit message, vous mettez des bling bling. Moi, je vais vous mettre les photos du coup de ce projet dès demain sur mon blog. Ce soir, vraiment, je ne peux plus, ça n'est plus possible. Donc, dès demain, vous aurez des photos avec quelques petites décos supplémentaires. Je vous reprends de l'autre côté. Coucou, je suis toujours vivante, vous êtes toujours vivante, c'est magnifique. Il est largement l'heure, je pense, d'aller manger maintenant. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire ce projet avec moi. Je vais essayer de choisir des projets plus rapides parce que en faisant le live aussi tard, ça n'est pas évident. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas donc la promo qui a commencé ce matin et qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction. Allez vite sur ma boutique en ligne. Ah, quelqu'un m'a posé la question. Je vais lui répondre en message perso. Mais effectivement, la plaque de verre va être en vente. Alors, elle est en vente. Merci les filles. La plaque de verre est en vente pour les démonstratrices dès maintenant et sera en vente à partir de début juillet pour les clientes. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot pour réserver la vôtre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci à toutes. Oh, vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours avant par le biais de publications diverses et variées. Gros bisous et à très vite. Bye bye.